à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous avez tous reconnu le repas de Santana. Alors c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée, comme vous pouvez vous en douter. C'est pour moi, c'est même pas que pour moi, mais je crois que c'est le morceau de guitare instrumentale qui doit être le plus célèbre au monde. Donc c'est clair que c'était une vidéo à faire. Alors donc je veux également donc, la dédier à ma femme Delphine qui me l'a aussi beaucoup demandé. Donc elle est faite. Bien, alors je vais commencer par vous parler un petit peu du son. Donc, comment j'ai fait pour avoir le son dans l'intro de cette vidéo. Alors, j'ai utilisé l'ampli Blackstar HT5, le même que je vous ai présenté dans le solo de Antisocial. Bon, je ne vais pas vous refaire une vue dessus, c'est pas la peine, vous avez déjà vu. Au niveau des effets, comme à mon habitude, en fait, j'utilise pas grand chose, mis à part des effets qui sont intégrés à mon logiciel audio numérique là, sur lequel j'enregistre, donc Cubase SX. Bon, j'utilise, là j'ai utilisé une petite pointe de délai pour donner un petit peu de profondeur et un petit peu de reverb également, pareil pour une question de profondeur de son. Et sur le troisième thème, j'ai utilisé un effet de roto speaker, enfin je vais le dire en français, je crois que ce sera mieux, haut-parleur rotatif. Donc ça donne cette espèce d'effet tournant sur le troisième thème qui est un petit peu en son clair. Voilà, donc par rapport à cette vidéo, c'est tout. Je pense qu'au niveau du son, je vous ai fait un petit peu le tour rapidement de la question. Oui, alors sur la fin, au niveau du solo, j'ai ressorti ma vieille pédale Wah-Wah là, que j'ai depuis longtemps, une Wah-Wah Cry Baby. Bon, elle grince un peu, mais bon, dans la vidéo, ça ne s'entend pas, hein, c'est le principal. Donc, c'était pas très gênant. Bon, ça, c'était pour la partie du solo. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet donc avec la première phrase. Voilà, rien qu'avec un petit début comme ça, tout le monde en connaît, c'est très pratique. Alors comment est-ce qu'on va jouer ça? Alors au niveau doigté, moi je prends ça avec l'index. L'index à la case 8 sur les cordes si et mi aigu. Comme ça. Et donc alors première note, donc case 8. Donc sur la corde si, et ensuite on va venir décaler un petit peu l'index comme ça, de façon à avoir la même case mais sur la corde mi aiguë. Alors surtout ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas venir barrer comme ça et puis jouer la corde si et la corde mi, parce que si vous faites un bar évidemment les deux notes se mélangent et au niveau du son c'est pas cet effet là qu'on veut obtenir. Le truc c'est que il faut vraiment que les deux notes elles se détachent bien l'une de l'autre. Donc moi en fait ce que je fais, donc sur la corde si par exemple, J'ai l'index qui va être arrondi comme ceci. Et donc lorsque je viens ensuite barrer sur la corde mi aiguë, en fait je viens plaquer. Je vais essayer de vous faire un plan un petit peu plus gros pour que vous puissiez bien voir. Donc là je joue la corde si. Et après en fait je plaque l'index. Et en venant plaquer l'index après sur la corde mi aiguë, j'ai la corde si qui se décolle de la barrette. Du coup le son de la corde si, de la note si s'arrête. Comme ça, surtout, essayez vraiment de faire ça, pas faire ça, parce que c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Ensuite, par rapport à ce premier thème, ce qui va être important, on a beaucoup ce qu'on appelle des notes piquées. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des notes piquées? Ce sont des notes qui vont être plus courtes que la note normale, c'est-à-dire, c'est des notes qui vont venir s'interrompre. Comme ça. Il ne faut pas qu'on ait un espèce, pour le faire vraiment sonner comme à l'original, il ne faut pas que les notes elles soient liées. Voilà, c'est vraiment pas comme ça que ça sonne. Alors pour pouvoir piquer ces notes, en fait, le truc, moi ce que je fais, donc vous pouvez vous entraîner si vous débutez un petit peu, vous pouvez vous entraîner à faire ça en fait, à venir attaquer une note, et vous venez la bloquer immédiatement après avec la paume de la main droite, comme ça, simplement en venant bloquer sur les cordes. Donc alors, après ce qui est pas, on peut éventuellement aussi arrêter le son avec uniquement la main gauche, mais c'est vrai que c'est pas forcément extra, parce que suivant les cases, on aura éventuellement des petites harmoniques qui ressortiront, comme ça, vous voyez. Ce qui fait qu'on n'aura pas un son qui soit propre, qui sera propre. En plus, on a des chances d'avoir des cordes à vide qui résonnent, ça va pas, au niveau du son, ça sera pas franchement terrible. Alors que si vous bloquez ça avec la paume de la main droite, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de cordes à vide.